Bienvenue dans ce nouveau magazine mensuel dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de juin 2014. Vivre un dîner dans l'Orient Express, c'est possible et ce sans même aller à la gare. Il faudra juste vous rendre à l'Institut du Monde Arabe dans le 5e qui, à l'occasion de l'exposition « Il était une fois l'Orient Express », a installé un restaurant éphémère dans le train mythique. Aux commandes, le chef Yannick Aleno et Potel et Chabot. En bref, un programme de rêve et de gourmandise à vivre avant le 31 juillet. Pour réserver, allez sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Pour ceux qui ont aimé le film, allez-vous aussi vivre une nuit au musée? Et oui, le Muséum National d'Histoire Naturelle met en scène le monde de la nuit lors d'une exposition dans la grande galerie de l'évolution du Jardin des Plantes. Pour comprendre et voir ce qu'il se passe durant la nuit, dans le ciel et dans la nature, de notre sommeil en passant par l'influence de la lune jusqu'à la vie nocturne des animaux, le tout dans une scénographie qui restitue son ambiance, vous serez immergé dans le monde à la fois poétique et mystérieux de la nuit. Votre parcours commencera sous un ciel étoilé, se prolongera par une balade dans une forêt fictive peuplée de centaines d'animaux, parfois en mouvement, qui vous surprendront. Gare aux loups! Pour toutes les informations sur ce sujet, allez sur le site www.mnhn.fr. Voir l'exposition Paris 1900, la ville spectacle au Petit Palais et comprendre tout ce qui a contribué à construire l'image de Paris comme la ville à la fois du luxe et des loisirs pour tous. À découvrir des objets d'art, costumes, affiches, photographies anciennes, tableaux et sculptures célèbres ou à redécouvrir grâce aux talents de Toulouse-Lautrec, Degas, Rodin, Mucha, Méliès et Picasso, ou encore des grands couturiers et des décorateurs à la mode. Renseignements sur le site suivant www.petitpalais.paris.fr. Écouter du jazz à Paris, ce sera possible au Parc Floral pendant le festival Jazz in Paris à partir du 7 juin qui fêtera ses 20 ans. Amateurs de jazz, blues, soul, funk, world music, vous viendrez en couple ou en famille et étendu sur la pelouse du Parc de Vincennes, vous ne louperez pas les concerts anniversaires de Manu Dibango et le soul Makossa Gang, Didier Lockwood et le quintet de Paolo Fresu. Attention, compte tenu du prix de l'entrée, 5,50€, arrivez suffisamment tôt pour être bien placé. Tous les renseignements sont sur www.parisjazzfestival.fr. Plus lyrique, La Traviata vous attend à l'Opéra Bastille à partir du 2 et jusqu'au 20 juin. Vous irez donc écouter la Dame aux Camélias, soupirer aux accents de Verdi et verser des larmes d'émotion en entendant Diana Damrau chanter cet opéra de l'amour et du sacrifice. Réservez vos places à l'adresse suivante www.opéradeparis.fr. Faire la fête sur une plage en plein Paris, où ça? Dans le 13e arrondissement sur la péniche du bateau phare, ancré depuis le 1er mai jusqu'à la fin septembre sur le quai André Mauriac. Le bateau phare, c'est un espace de 300 mètres carrés qui propose un restaurant le midi et le soir, une salle de concert de 19h à 23h et un club de 23h jusqu'au bout de la nuit. Alors imaginez-vous, affalé dans un transat, sous un parasol, dégustant des tapas, sirotant des cocktails, en écoutant de la musique live. Bref, un lieu magique à découvrir sans attendre. Pour plus d'informations, allez sur www.bateaufare.org. Faire des loopings à 90 km sur le Power Max, la pendule géante qui tangue dans les airs lors de l'immuable Foire du Trône qui fêtera sa 1050e édition sur la grande pelouse de Reuilly. Attention, vous n'avez que jusqu'au 9 juin 2014 pour profiter de ses 350 attractions et ses 80 manèges. Frissons et éclats de rire garantis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur foiredutrône.com. Rendez-vous le mois prochain pour les incontournables de What's Up in Paris au mois de juillet.